Ça, c'est le salon sur les places de la République. Les jeunes, 83e semaine de manifestation, place de la République. Chaou Enyé en Sitsa Wanoué Sawadja Vanou, les Gilets les jaunes. Nari Tengele, Vanou Vanoué. À cet enseignant et à crier plus jamais ça dans la République française. Bien évidemment, c'est un événement qui a touché toute l'humanité. Et comme j'ai dit, chaque dimanche, le peuple, la diaspora comorienne, la communauté comorienne de Paris, se retrouve ici à place de la République. Et chaque dimanche, nous venons ici pour crier, pour dénoncer une dictature sanguinaire, une dictature criminelle qui sévit actuellement aux Comores, qui est un archipel dans l'océan Indien. Et comme un drôle qui est derrière nous, la diaspora comorienne, la diaspora contre la dictature aux Comores. Beaucoup d'emprisonnements, beaucoup d'arrestations arbitraires, toutes les libertés individuelles sont réprimées, sont violées et personne n'ose parler sur place. C'est pourquoi la diaspora comorienne se fait le porte-parole de ce peuple comorien qui est actuellement sous la dictature du putschiste, le colonel Azali Assoumani. C'est pourquoi nous allons commencer pour l'instant à se joindre à cette mobilisation qui est à place de la République, qui vient pour dénoncer l'acte barbare qui est passé, qui a été perpétré contre un enseignant qui n'a fait qu'exercer bien évidemment son noble métier qui est le savoir et l'éducation et l'enseignement à nos enfants. Bien vigoureusement cet acte inqualifiable et intolérable dans la République française. Et au passage, nous allons informer toute la population qui se trouve actuellement à Place de la République que malheureusement, cette barbarie, malheureusement, existe sous d'autres formes, dans d'autres pays. Malheureusement, il y a des présidents dans le monde, y compris le dictateur aux Comores, qui massacrent son peuple, qui répriment son peuple dans le sang.
des assassinats ciblés des opposants, des emprisonnements illégaux des opposants comoriens, dont la plupart ont été obligés de fuir dans de nombreux pays, dont la France. Voilà, c'est pourquoi nous allons nous joindre à la mobilisation qui est en République, qui vient ici pour dénoncer l'acte barbare commis contre un enseignant de la République, contre un enseignant qui n'a fait qu'exercer son métier. Voilà. Donc, nous allons tous applaudir, nous allons tous rendre hommage à cet enseignant qui est un cible et vient, voilà. C'est pourquoi nous allons à chaque fois applaudir et se joindre à cette mobilisation. Mais au passage, on va rappeler, oui, c'est la communauté comorienne, comme chaque dimanche. Ce n'est pas aujourd'hui, mais chaque dimanche, on est à Place de la République, on est à Lyon, on est à Marseille, on est à Nice, on est à La Réunion pour dénoncer la dictature sanguinaire. Républicain Libajaza, Lelo. Vous avez dit que 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 vous avez d
Voilà. Donc, c'est pour expliquer que cette partie, comme beaucoup qui sont ici à Place de la République, il y a beaucoup de drapeaux ici à Place de la République pour dénoncer les actes barbares, pour dénoncer les actes sauvages qui se passent dans plusieurs pays dans le monde, y compris les Comores. Si vous voyez ce drapeau, c'est le drapeau comorien, où tous les jours, il y a des personnes qui sont arrêtées, emprisonnées, et pour la plupart sont tuées, sont assassinées, et la plupart qui sont en exil. C'est une dictature féroce. Donc nous nous joignons bien sûr à la mobilisation aujourd'hui, à Place de la République, pour condamner, pour dénoncer, et pour surtout rendre hommage à ce professeur qui n'a commis aucun acte qui mérite ce sort. Du coup, nous estimons légitime de rester ici et manifester pour non seulement se joindre à cette mobilisation, mais aussi dénoncer pour que le monde le sache qu'au Comores, un petit archipel est un otage détenteur qui n'hésite pas à massacrer son père. Donc, nous demandons que tout le monde soit attentif aussi à notre message. Nous demandons que tout le monde soit attentif à notre message, car c'est un message qui dénonce la barbarie, la dictature criminelle et sanguinaire. Combien de personnes emprisonnées, combien de personnes en exil, combien de personnes sont tuées. Deux présidents de la République, l'une en prison, l'un en prison, l'autre en résidence surveillée, pour le seul tort qu'ils ont contre la dictature en place. Alors nous demandons que tout le monde nous entende. Ça fait presque 2 ans que nous venons à Place de la République. Depuis le 24 mars 2019, tous les dimanches, nous venons à Place de la République. Nos amis de Lyon vont à Place Bellecour, nos amis à Marseille vont à Place d'Aix, à Nice, à La Réunion et même au Sénégal. Toute la diaspora comorienne dénonce tous les week-ends la barbarie qui sévit dans leur pays. Informer la communauté internationale, pour informer le monde extérieur de tout ce qui se passe aux Comores. C'est un petit pays qui n'aspire que la paix, la stabilité, la concorde et la cohésion nationale. Et malheureusement, on a eu un dictateur. Alors, pourquoi nous venons tout simplement parce que ceux qui sont aux Comores n'ont pas le droit. Pourtant, nous sommes là pour porter la voix des sans-voix, c'est-à-dire nos compatriotes qui sont malheureusement sous cette joue. Sous ce joug du dictateur Azali Assoumani. Nous savons aujourd'hui qui n'a pas lieu d'être sur le territoire français, et c'est pourquoi nous nous joignons à chaque fois pour dénoncer cet acte barbare qui s'est passé en France. N'a fait que exercer son métier. Et c'est pourquoi nous allons à chaque fois répéter que notre message aujourd'hui, c'est dénoncer toutes les dictatures, surtout la dictature qui se vit actuellement aux Comores. Personne n'aimerait bien vivre sous une dictature. C'est pourquoi aujourd'hui, et on le répète encore, c'est la 83e semaine consécutive depuis qu'on manifeste en France contre la dictature aux Comores. Et nous nous joignons massivement, nous nous joignons tous ensemble pour manifester, pour condamner l'acte qui vient de se passer contre le professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. Nous avons un programme spécifique à chaque dimanche. On vient ici, on prononce des discours pour informer, pour dénoncer, pour attirer l'attention du monde extérieur de ce qui se passe aux Comores. Parce que ceux qui sont aux Comores n'ont pas le droit de passer ce message sur place. Et nous battrons jusqu'au bout pour ce dictateur. Ne pensez pas qu'on manifeste uniquement en France, même aux Comores, on part pour faire tout notre possible pour déloger le dictateur.
a pris notre peuple en otage. Alors, oui, nous allons continuer ce combat jusqu'à la chute de cette dictature. Nous nous préparons depuis l'extérieur. Tôt ou tard, ce dictateur va tomber et sa dictature ne sera qu'un vieux souvenir. C'est pourquoi nous allons rappeler à plusieurs reprises que oui, tous les actes barbares, nous les condamnons fermement. Et on vous dit que ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient manifester en République contre cette dictature aux Comores, mais ça fait bientôt 2 ans. C'est la 83e semaine consécutive à place de la République pour dénoncer haut et fort, pour informer. Oui, il y a beaucoup de dictatures dans le monde. Oui, toutes les dictatures, il faut les condamner. Nous, spécifiquement, pour dénoncer cette dictature, cette barbarie qui sévit dans notre pays, qui se manifeste comment ? Qui se manifeste par la privation de toute forme de liberté. Liberté de manifester est interdite aux Comores. Liberté d'expression, les journalistes sont emprisonnés. Liberté d'opinion, droit de parler d'autre chose que les actions du gouvernement. Et celui qui ose dénoncer cette barbarie aux Comores, il est soit emprisonné, soit tué. Et nous venons ici pour le dénoncer. Ce n'est pas normal que des dictatures comme ça existent dans le monde et que des pays et que des grandes puissances démocratiques soutiennent cette dictature. C'est pourquoi, oui, nous n'allons pas arrêter ce combat jusqu'à la chute finale de cette dictature qui sévit actuellement aux Comores, dirigée de main de fer par le putschiste, le colonel et dictateur Azali Assoumani. Nous allons le marteler jusqu'à la fin de notre manifestation que la communauté comorienne, la diaspora comorienne de France condamne fermement l'acte barbare, l'acte de meurtre, l'assassinat qui a été perpétré contre le professeur d'histoire géo qui fait son métier à Conflans Sainte-Honorine. C'est un acte horrible, c'est un acte inqualifiable. Que ici, aujourd'hui, 18 octobre 2020, c'est la 83e semaine consécutive que la diaspora comorienne de France, je vous dis actuellement, la diaspora comorienne de Lyon manifeste en République, à Marseille, à Nice, à l'île de la Réunion, et chaque dimanche, le message est simple, le message est faire partir cette dictature. Personne ne souhaite vivre dans une dictature. On subit une dictature. On ne choisit pas. Qui serait content d'une dictature, le choix de vivre dans une dictature. Tous les pays du monde, il y avait des tyrannies, il y avait des régimes sauvages et sanguinaires. Et tous les peuples se sont soulevés pour dire stop la dictature, nous voulons tous la démocratie. Il faut savoir que toute démocratie n'est pas tombée du ciel. C'est le fruit d'une lutte, c'est le fruit de combats. Eh bien, 21e siècle, il y a encore des peuples qui se battent pour vivre libre, pour vivre en liberté, pour vivre vraiment indépendant et non sous un joug militaire et une dictature. Au passage, nous rendrons toujours hommage au professeur qui a été assassiné sauvagement à Conflans Sainte-Honorine, car c'est un acte inqualifiable, c'est un acte barbare. Voilà. Nous allons répéter à chaque fois, nous le répétons, voici et voici notre message à la diaspora contre comment et le pourquoi on est là aujourd'hui.
Ndiaye, 83e semaine de manifestation. Gayona Impact, parce que S, ils sont là. Warishi Diao. Hainam Lula, le Français, nous. Donc, avant la manifestation, nous avons dit que nous avons gagné. Kayazi kuzaza ni pia ngadula wa na kasina zindizo hamba telo za hema notable waloko mori gardo hamba zinji heli ya vira gardo za yeduni ya piyango juu wa zenda buza azadi asuma warmenti ya hatu ya wajibu mjiha kama chibu panyata marango. Vas-y, quand t'as fini, tu m'appelles. Tombola, étiqueté Tombola, Yeniwanzo, Lupara, moins 06. Pourquoi tu fais quoi là-bas? 27, 87, 58, 75, Wepara, Haina Banu Lio, Mambango, Andetike, Mojoyerewayo, facilement. On gagne aussi hésite, Orengeli Meroyo, Upare, Orme 06, 27, 87, 58, 75. Étiquette 20 euros. Marhab. Vous dites à vous, ça singa Sivanu. C'est bien travaillant. Alors, on a un trésorier général, on a une diaspora, on a un collectif de Paris, et ça a été arrivé là, on a un drapeau, on a un masque gratuit. On a un bandeau de masque, on a tout à la masque. Vous savez qu'on a un Javanu, on a déjà les policiers, les armes des frontières, puis. Je n'ai pas de masque au Japon. Quand tu dis ça, 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 kakarja pori shia bunjili wa la siyasa au bunjili wa la mila nanti la dombo au bunjili wa la regio la dombo la nivoto la sashi amungapo nitare ni wakaya wale hamu waka mripa yendola ya shakarja kubalisi wangaji au suwa komori ya wakaya majilisi jale nito habili siyashe mwana dahoni. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne suis pas. Je suis un peu plus grand que je ne
Gassi place de la République. Manifestation, tout le monde a dit que nous allons comme les gens qui vont nous. Ah. Oui, voilà, je revenais. Ici, vous voyez le drapeau comorien. Tous les dimanches, depuis 83 semaines, donc ça fait plus d'un an et demi, moyenne se trouve dans toutes les grandes places, les grandes villes en France. Jean Parisien, la place de la République, tous les dimanches, d'un an et demi. À Lyon, il se trouve à place de la République, et à Marseille, à place Garibaldi, et au Sénégal. Tous les dimanches, on a un message principal à faire. Nous voulons que le monde entier sache que comment un indien est sous une dictature féroce. Quand on dit une dictature, c'est aucune liberté, liberté de d'expression, liberté d'opinion, voire même liberté de conscience. Le putschiste et dictateur Azali Assoumani, qui a pris notre pays en otage, est déterminé à s'éterniser au pouvoir personnel clanique. Donc, à chaque place de la République, pour dénoncer cette dictature qui sévit actuellement aux Comores. Des personnalités politiques arrêtées, des citoyens tués, assassinés, ou pour la plupart, ils étaient obligés de fuir et de s'éloigner des pays, notamment en France. C'est pourquoi vous voyez ici notre slogan, la diaspora contre la dictature aux Comores. La diaspora comorienne manifeste, ça fait bientôt 2 ans. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ceux qui sont sur place au Comore n'ont pas le droit de manifester. Allô? La communauté comorienne de France, la diaspora, condamne bien évidemment l'acte barbare, le meurtre qui vient de se produire en France contre un enseignant. C'est un enseignant qui n'a fait qu'exercer son métier. C'est pourquoi personne ne doit tolérer ce genre d'actes commis sur le territoire français. Nous sommes tous des parents. Personne ne souhaite son parent subir le sort de cet enseignant. Nous sommes des parents. Nous savons que nos professeurs, nos enseignants exercent un métier difficile, mais c'est pourquoi nous nous joignons à cette mobilisation pour rendre hommage à cet enseignant qui a exercé son métier le plus noble et acte qui vient de se passer. Et au passage, nous nous rappelons à chaque fois que la barbarie, on doit la condamner partout dans le monde. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches. Nous nous retrouvons ici pour dénoncer la barbarie, les actes criminels qui sont commis contre le peuple comorien en Comore. Sur place, ils n'ont pas le droit de manifester. Nous manifestons. Ils n'ont pas le droit de dénoncer. Nous dénonçons. Devenu une prison ouverte ou une massacre sont commis des assassinats. Et ça, malheureusement, pas le soutien de grandes puissances démocratiques. Alors, tous les jours, nous le dénonçons sur les réseaux sociaux, mais chaque dimanche, nous venons à place de la République pour dénoncer cette barbarie qui sévit actuellement aux Comores sous la forme de dictature par le colonel Azali Assoumani. Nous demandons nous voulons passer ce message. Car cette dictature est au monde n'a le plaisir de vivre dans une dictature. Toute dictature, on l'a subie. On ne la choisit pas. C'est pourquoi nous nous joignons à cette mobilisation.
à l'enseignant qui est malheureusement foudroyé par cet acte barbare. Nous rappelons à chaque fois que ici, vous voyez, ici c'est le peuple comorien, ici c'est la diaspora comorienne. Chaque dimanche, ce n'est pas aujourd'hui que nous venons à Place de la République. Nous, chaque dimanche, on est à Place de la République pour dénoncer la barbarie, pour dénoncer la dictature qui actuellement a emprisonné des innocents, a commis des assassinats, terrorise le peuple comorien. Les patriotes sur place n'ont pas le droit de lever même le toit. Jamais, ils n'ont pas ce toit-là. Nous, on a eu la chance d'être dans un pays de démocratie, dans un pays de liberté. C'est pourquoi nous allons dénoncer, nous allons crier haut et fort, nous allons apporter ce message partout dans le monde pour savoir qu'au Comore, un petit acheteur dans le siècle mérite d'avoir la démocratie, mérite d'avoir la liberté. Son peuple n'aspire que la paix, la sécurité, la stabilité. Et au passage, on a un tortionnaire. On a un dictateur, un criminel qui tue, qui emprisonne. Et c'est sans aucune pitié. Alors, nous avons le devoir, nous, en tant que diaspora, de cette dictature. Car ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont assassinés, qui sont emprisonnés, qui sont tués actuellement au Comore. Et bien sûr, comme nous sommes à Comorine en France. Nous condamnons fermement, nous condamnons vigoureusement l'acte barbare, le meurtre qui vient d'être commis par une personne contre un professeur parce qu'il a accepté le droit de tolérer ses faux comportements. C'est inqualifiable. Je suis en train de faire un peu de choses. Je suis en train de faire un peu de choses.
Je vais vous montrer.
Et tu donnes des masques, tu donnes des trésoriers, ou à tout le monde, tu as tout le monde, et quand on a un drapeau, on a des trésoriers, 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 il y a des motériaux, les accessoires, les banderoles, les azards. Les Voilà les drapeaux thaïlandais, les trésoriers. Marhaba. Marhaba. Nyazia tundo au kaya engazija au eno tabi wa parane rejo ya hambu juzi wende wako fanya majilisi azali ni majilisi au kardia badide au kaya ariende au kaya balaba kaya bahasha wa kaya sashe za biskuti na maji ende helia majilisi chari jo hapo kasi mkombi gari mte dahoni la kaja ra mta dahoni mkali jo samiru kalja kaya le paja kalja kaya mungi hapa tutuka fanya bahasha za rabo jihela ndo anu kudula handrabo mkendo tabi kitu anu kuri imba rikibu anu wano kwe si kwe kazi kuro watengweni jeni anu lahi zendabo ndo mkiri barzi mayo mungi hapo ya hatua ya rimwa kambari ya presse nani hapa bie alawa ni regio ya mungi hapo edo tabibite ya he diktator yuka yuti chagabu amezibu haba kia mungi hapo weka hanza ya sisi homu haru mahahe ya haribu hao ya nungo hukaza atotukafa na bahasha kandamu mwede kwa mwede
Ça va,
aux asiles. Singa Sivanu, Kajaroha, Garifanusa Zahatu, Bungiabo, Chialava, Don Zemanif. Dans quelques minutes, Arduka Zahim National. Ça va, Bakar? Monsieur l'ambassadeur. Salam. Madame l'ambassadeur. Yo, ça va? Ça va, Mdil. Rigaïa. Yo, non, je l'ai tenu, je l'ai tenu. Et je ne le jeune pas, on nous a rien dit. Non. Nous avons vu que 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 Salam alaikum. Vas-y, watukufu. Et chari parabanu, la République. Le Houdja rencontre le président Komori Kao. Arrégenti hatu otage. Yode chari behaban. Chakar jave habanu, djerdo kanti, na ziwara, na ushindana, hanongo za mafiz. Izoti neza arrive haban. Ye fikira hatu na ikenzima bas. Le Houdja ni ofujari ulona zali.
Yonema kuswada ya ribehavan Yonone le fikira hilo ilazimu ya lehensi ato wakati Ujo kubango na nafasi ya je ya tutekeleze Beshwa na banubabo Kabati tapu Wakati maudu usiku wa hazi nongara Zie kabula Nabo kampanya holeza na wakati godono shashiha kamoni ya inu liporofite banu rambe izorato rambe Yorambiwa kagarjohani se mafala hatu okayayo okayo ndezilera ranikiwa kama hiyo abo karna ujiwa uriwara wandu walo vanu pia oye kwezi upande wagosibi yonde ngayo nkuri wanonio rimtaruba hauka harilemeza Hole ya kili, hole zitendwa, lokatili, lofujari, latawala yensi. Muhadazi, ikawo karijajibiwa, lakano parojibwaniye netare hindo haki. Niyo imbiyo, karichutaha, nyuandu mjao la republiki. Na mweyanziha, naitilwa mabuku, naitilwa mabesheoni, itibakia wa wanaja adoisoma. Na yeye hifa ngari mambiao ni mjoka karibu muroje na zaio Sha na mbeo barini ya lwane zempi Sha ya tiye huwa mazamoni hajo tabisho wapu Babori onao sirlo na mori tabi hao Gamjuwao yeye Ola timru menza haya, timru menza adabu Hema beya yonti ya mteshe ya ya mrogoza Ambaze mashishio ambaye mato Ampanya hamatinae Yetimbo la masadaka mono juzi engazi jaha isanganya hamikarakara hota ya jia kwari yeju baheba ya ho Mishi ya ize ya fanyi Apareko mori hauja ya kwari yeju ba numharuma ya ukazao Hauriwara ze adaza komori Wangazija kwa jashina Yamishi yao Kinikuwa habari vanu kaya ya dayahe Itaibari dewa sima ya njuani Esange mru mzima haruma mji wa sima ya njuani Yawange Wenari Yonde hali Ruwapewu yetudoni kwa yetudoni walazo Yetudoni piwa ye waya Kumba vita mahongo Na wenge Kumba hafula Dimingana na he oka etimru Yonda ila yamba oka na wapiamba Na he hawaya Na he hawaya mziwa na juzi Sima ya njuani Wapalide Elana mila Awege kwezi Sika hamba izo naona haruma ya Facebook Neheli za hamba Upande wa hema sadaka Yayo mkini 2021 Kana uliwa bayo sumu Gajaudu gana nae Mubarini ya lwaneze mpampa Shaka na uti wa mazamoni Ajotabisho wafu Mori wanao ritanaba hiyo sirlona mori tabi hao zero zatu Gojo wa hafa heli wako zao Habange kwezi Wakati Wakati nguwa mshashi na wajokore ingazi domana wambeze hafu lazinu Hakwezi Oho Atarifa, hena mruikao, ajo utajia ye drapo
Najaude manamsho atubanu yarengem nadirapo ya zingare yaone sautukivu opane hamada waha wa wandu ananyati walo hawinji banu wajue zaibu hakuhaku wakangwa rona warumaze Facebook shangwa juzi sawe yetu wandu hini siwa komori na inde diaspora inde diaspora ya komori ija wanu ija ilani azali omlani omlani amlani yato baki ya laluhe jeshingo na ingu jola luha amba viva tunokawa tuadamu saba opandu wa hae saba kutoreyo tena kutoreyo na juwe kava kava na inuititi hama nyantu noye humanai yoni